Est-ce que tu serais capable de jurer devant Dieu que t'as jamais été amoureux de Julianne? Ben voyons. Non, je pense que je peux pas jurer ça devant Dieu. Mais non, en fait, on va prendre des vertes et des pommes. Ben, en fait, Julianne, c'est vraiment... Là, le public fait... En fait, on a une relation particulière. Je l'aime tellement, cette femme-là, parce que t'es une femme. Ben, je suis un gars, là. Mais c'est une personne... Pour moi, c'est une âme sœur, dans le sens qu'on s'entend tellement bien. C'est peut-être ma personne préférée sur Terre, mais l'amour, il est comme très large. Fait qu'être en amour, si on est en amour avec la globalité de la personne, c'est être en amour aussi, sans savoir si c'est de la notion amoureuse. Pour moi, elle devient plus importante. C'est juste un amour global puissant. Ouais. Tu es marié fourré. Tu connais ce jeu-là. Mike Ward, Vincent Léonard ou François Lambert? Aïe, aïe, aïe. Tu es marié fourré. Hey, boy, c'est difficile. Je pense que je vais marier Mike Ward. OK. Vie avec Mike Ward. On a une belle quotidienneté. C'est quoi une belle quotidienneté? Ben, dans le sens qu'on a pris notre air d'aller, je trouve. On connaît nos petits travers, on est bien, les dodos en cuillère de temps en temps. Fait que, tu sais, on est déjà un peu pacha dans notre amour. Je vais... fourré Vincent Léonard, je pense. Le terme, c'était-tu fourré? C'était ça, bien fourré. Parce que j'étais plus sûr que c'était un synonyme, là. Parce qu'honnêtement, quel shape. Il est adorable, il est hyper attachant. C'est de la grossophobie. Ah, je sais bien. Faut pas parler du corps oui, des autres. On va enlever ça, on fait comme maintenant, il est fourré, il est plus gros. Je vais tuer François Lambert. Je l'adore, François Lambert. Oui. Mais on a passé 92 jours ensemble et mon échantillon était suffisant. Ouais. Mais je l'aime beaucoup. As-tu déjà fantasmé sur un membre de ta famille? Ben non, le what the fuck, est-ce-t-il? Ben voyons, c'est un questionnaire crémeux, c'est tout spur. Ouais, c'est crémeux, mais c'est pas crémeux, c'est cringy. C'est juste malsain, là. Ben non, je me dis, non, mais la famille, c'est pas nécessairement ton père, là, ça peut être une lointaine cousine. Mais c'est un tabou, l'inceste, Jean-Sébastien. Ah oui, mais... je peux pas banaliser ça. Non. Hein? Oui, oui, oui. En fait, ce qui aurait été la réponse la plus malaisante, si je t'avais dit oui, mais pas développé. Oui. Ça a l'air large, avec confiance, comme si j'avais plein d'options qui m'excitaient. Jeanne au barbecue, derrière du plaisir.